Pendant André Michel bon côté parle la balade chez Mans, monsieur a montré capacité parce que m'te dit nous déjà André Michel gagné bataille politique là, bataille opinion, monsieur gagné parce que quelques temps avant André Michel pas de possibilité pour te prendre la rue, d'ailleurs nous tout nous songe comme on était sapata monsieur, pendant monsieur dans le club là le petit plaisir. Et mais jodi là André Michel, nous sommes pas osés dans toute chaîne masse, tout côté, traîner des militants de elle. Pendant ce temps, Ariel Henry n'a grande difficulté en Argentine. Nous allons faire tout ça dans la en image. Ariel Henry, tu as participé dans un sommet en Argentine. Eh bien, à Haïtiens qui vivent en Argentine, y a là une manifestation tête chargée dans Ariel. Et rete là. On va voir plus de détails en image, mesdames, messieurs. On va voir côté haïtien en Argentine, après les bois calés, côté haïtien en Argentine, après courir derrière, corrompu, yo bay pour Ariel Henry. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, li encore une fois réuni. Réuni en assemblée, en urgence même, pour capable pencher sous cas Haïtia, parce que selon un pile pays ou encore pays qui fait partie des Nations Unies, yo fait connait situation gen là en Haïti, c'est une situation urgente qui mande des réunions urgentes qui mande faut que yo fait une intervention urgence pour Haïti parce que ça gen là, je situation est là Haïti pa ka ki banco. Dans même réunion ça, dans même conseil ça, gen plusieurs pays au même bon côté pa yo qui accusent les États-Unis, accusent le Canada fait connait pour ça qui a passé là en Haïti. États-Unis et Canada, c'est seul responsable. Et eux-mêmes, ils ne parlent pas comment. Ils ne parlent pas de petites paillots, ils ne parlent pas de nations, ils ne parlent pas de soldats. Ils mourent dans cette guerre en Haïti. Bois calé, puis red. Bob Ray, qui est ambassadeur Canada dans l'ONU, monsieur fait qu'on est, il a voyé le vini en Haïti, il a gardé ça qui gagne. Et même monsieur dit l'entrée, le chita ensemble avec acteur, monsieur, ouais, une intervention militaire. Pas nécessaire dans ça qui gagne là en Haïti. Bon côté parle ti bobo pouvoir au bail pour André Michel là, monsieur même fait connait. Genre situation est là pour ça qu'a passé là en Haïti, pas gagné qui possible. Élection pas possible, référendum pas possible, pas gagné qui possible. Si toutefois pas gagné une intervention militaire. Ce qui veut dire André Michel prêt à tout pour que gagne une intervention militaire qui fait en dedans pays, mesdames, messieurs. Restez là, n'a vite moi plus de détails. Et je nous dis, en image, nous allons porter tout détail ça yo baou. Situation compliquée là, kaye. Situation toujours tendue entre les hauts commis de l'État, bon dit pito. Situation toujours tendue, mesdames, messieurs, entre les hauts responsables de la police, ensemble avec un série de agents. On dit plutôt agents qui plus qui affecté dans le commissariat Pétionville. Après le drame qui finit à côté, 5 policiers perdus vie. 5 policiers. Plusieurs policiers qui cantonnaient dans le commissariat Pétionville. Ils ont levé campé pour dénoncer la situation malouk ça. Et mesdames, messieurs, situation ça. Ils mettaient un bras de fer, une bouche l'ouvri entre agents ça avec vos responsables dans la police là. Situation tête chargée, oui. N'a pas cherché une bonne presque une solution avec l'on là. Vous comprenez? Bagala red, mesdames, messieurs. Le Haut Conseil de transition, bagay ki gen madame Maniga la dan, Laurent Saint-Cyr, vous comprenez trois moun sa yo. Eh ben, conseil sa yo officiellement yo gen local. Ou pral tande ki côté yo pral installer moun sa yo. Nan ki local yo pral mette moun sa yo. Ou comprenez kon se des brasseurs yo, côté yo pral brasser, côté yo pral dépatcha purger pays ya. Ou pral konnen la, pas déplacé. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Chanel là, c'est Haïti Réflexions, amis, qui avec vous, c'est Esdras Fizeme. Nous comptons entrer la caille où les amis, vous connaissez déjà. Chaque fois, nous avons une possibilité pour nous porter information au bas ou, n'a porter au bas ou, là. Sous des t-shirts, prends temps, prends son, vine déguster, vine apprécier information. Nous allons partager ensemble avec vous. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. N'a porter tout détail ça au bas ou, mais, bah, nous prenons une petite pause. Ariel Henry manque jouen ak zo grand ni en Argentine. Pendant monsieur participe non activité, non sommet, mais haïtien ka vive en Argentine. Yo pren la rue, manifeste contre la présence d'Ariel Henry et a mande Ariel Henry la gen pye ou. Mesdames, messieurs, on suive comment ça te ye en Argentine avec yon petit coup d'image.
nous va voir comment haïtien ça eux-mêmes yo tap relé dans derrière Ariel Henry yo tap mandé pour Ariel Henry la guépiel allô parler Ariel 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 Voilà, ça aussi des Haïtiens qui a vivent en Argentine pendant Ariel Henry en Argentine et Haïtien ça yo. Yo levé campé, yo mandé Ariel Henry la guépiel. Fuera Ariel, yo mandé Ariel pour aller battre derrière qui des pays a. Entre-temps, pendant ouais Ariel, monsieur prend toute patasuel ça yo. Pendant monsieur la passé tout mauvais moment ça yo, c'est pas même bagaille non pour André Michel. Aïe 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 zanmim. André Michel lui même actuellement là, pas oublier m'dou monsieur gagner bataille opinion. Si quelques mois avant, André Michel pas de ka marcher dans la rue. Si quelques mois avant, André Michel gè côté le pas de ka mettre pied, monsieur t'a déclaré persona non grata. Et mais jodi a là, André Michel gè carte blanche, li gè carte verte pour voyager n'importe côté le vle. Pour aller n'importe côté le vle dans pays a. Jodi a André Michel c'est gros sponsor lié, ou pas comme ça? Non pas que gros programmateur plat ka fait là. Pendant mois de décembre pour entrer janvier là, André Michel c'est gros sponsor terre, non pas que contacter gain programme dans province. André Michel qui t'est déboussé, fait moun sa ou bien passer. Et m'bral fort vivre mesdames messieurs, réaction des citoyens haïtiens. Des militants qui quelques mois avant t'es accusé André Michel de tous les maux et aujourd'hui là, entendez avec qui douceur, avec qui mot il a pour recevoir André Michel. M'invite entendez mesdames messieurs. Et le sawadim, est-ce que moi même Esdras Fizeme, moi obligé continuer mener bataille pour peuple ça. Bagay la redoui, on suit ensemble. Avec André Michel, je le fais pour vous. Tout le monde est en train de faire l'élection, vous mettez pour nous, mettre André Michel. André Michel, ouvrez Moudon, militez seulement sa voix. Vous pouvez battre à moi. André à terre. André, au contraire, la semaine, on m'a dit la presse, puis aussi, puis nous, on j'ai carbone, Michel. Si André Carbone est arrivé à pied pour la marche. Oui, 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 oui. Si André Michel est là, il peut faire ça. Il faut faire quelque chose. Parce que je veux dire, André Michel, des gens qui apprennent mieux, nous dit André Michel, c'est un citoyen paisible. André Michel, pour qu'on crasse les boîtes l'État. André Michel, pour qu'on entre dans l'État. Eh bien, pour ça, je dis, nous voyons le cadre de ces manifestations, les 29, dimanche 4 les fois, l'action pour ça. Prenez maman, ni papa, mettez-en dans la rue, ou après, Michel, presque ça plutôt, ou c'est Haïti ensemble avec nous tous. Grapoisier, vous chez Bernier, machin bagapo, nous donnez des guénèques de journalistes, quatre générations, pas de journalistes à eux. Nous pas paix, André Michel, c'est mon papa paix, André Michel, c'est mon négocié, pas de mon bagage. Regardez, vous devez me dire ça à la presse. La presse, vous devez me dire ça. André Michel, c'est Seigneur qui compte douleur, malheureux, qui compte douleur, malheureux. Si vous ne pouvez pas l'effort, André Michel, il est pour Navel. Problème car il est pour Navel. Problème hôpital, il est pour Navel. Problème dette, il est pour Navel. On vient pour ça. André Michel, parce que moi je suis là, parce que nous devons dire Michel. On vient pour ça. Je dis à nous-mêmes, nous venons supporter André Michel. Pour nous dire Michel, la sorte de la joie, la privation de ma sapier, pour d'avoir tout, nous clair pour nous dire ça. On est qui m'a André Michel, moi toute militation ma satisfaction. Les autres femmes là viennent supporter maître André Michel, qui sont une qui semblait avec nous. Qui prêt pour accompagner les militaires dans toute bagaille. Étant donné que Ariel Henry, qui est chef gouvernement, qui promet, qui font promesse, qu'il a payé 96 500 emplois. Nous-mêmes, ça le souhaitait.
Nous souhaitons en tant que militants de la bataille, reste militant pour qu'on joue dans un qui pour qu'on oxygène. Nous demandons de la prendre en considération parce que nous-mêmes, Chalmas, nous sommes des héros. Pas prendre intimidation parce que je connais mon coach, je ne passe pas ni pas directeur ni pas ministre de la pays. Nous sommes jeunes garçons qui peuvent vous lisser tous ces mêmes moments que nous qui peuvent filer vous lisser tous ces vous avez passé misère avec nous. Je m'attends à Michel. Nous-mêmes, nous sommes avant militants, nous sommes avant. Nous sommes avant tout responsabilité envers militants. Nous-mêmes, nous sommes derrière notre gouvernement. Le gouvernement prend responsabilité avec les gens qui ne peuvent pas manger, avec l'insécurité, pour aller à l'IBC Gaza, et puis mettre Michel. Là, il était comme militant. Merci, Michel, nous voulons supporter pour qu'on prenne les revendications en considération. Parce que nous connaissons quoi calibre dans le gouvernement. Nous-mêmes, nous là pour intégration. Nous dit mettre André Michel, ouvert Moudon, militant de la Savon. Nous pouvons mettre à la voie. Nous André Michel, même son choix politique. Allez, c'est Manu qui m'a caché qui passe. Ça fait un choix politique là, je vais dire après ça. C'est parce que les Bracalé, ils ont invité nous dans Bracalé. Et tandis que pendant le Bracalé, ils ont pris en contre Ariel à minuit. On connaît la presse Bradim qui n'est ça. Mais qui est le secret d'État. Ensuite encore, les gens veulent diaboliser. Vous n'en êtes pas Michel. Vous n'en êtes pas bon, c'est pour l'État politique. Nous n'en avons pas de secret d'État. Vous n'en êtes pas de presse qui t'aime parler. Et je respecte de soi pour la presse. Vous la presse. Je respecte de soi pour moi. Imaginez. Nous sommes ces même André Michel ça, même peuple ça, même bouche ça yo. Qui t'a traité André Michel de toute sorte qu'on est au poche pour là, vous comprenez? Mes amis, André Michel, ou t'as gagné un là qui dit 2024 André Michel président? Et gagné un même qui dit c'est carbone yo pral ranger chaud masse pour André Michel. Waouh. Vous connaissez, bon m'pa ka honte, m'pa kon honte d'ailleurs. OK, m'pa ka honte. Mais si l'on t'a dit mon oui. Si nous m'tap di mwot pou m'ti kat pou jamwe même t'ai accompagné peuple ça k'ap mené bataille contre André Michel m'te ka di mwot même t'ai gitan konnen peuple ki grand goût pa ka mené bataille m'te gitan konnen on peuple ki nan grand goût nan niveau peuple haïtien là ki bataille possible ou pral mande l pou mené ki bataille l'ap ka mené et ki kote l pral ka rive avec on bataille. Et ça crée des gens qui toujours ap conseiller m kap di m bonheur ou konn sa k passé mené bataille pour peuple ça son bataille perdue c'est une cause perdue d'avance. Waouh. Jodi a la André Michel son petit bon Dieu rien que parce que peut-être li gère quelques militants parce que peut-être li gère dans quelques boîtes vous comprenez mette quelques militants jodi a la li était prêt pour le président. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on ouais un peuple qu'on a comprendre fort mal pour peuple ça? Ou va le pitié pour peuple ça? L'ou a gade situation difficile la passe? Que ou va le faire mal pour lui? Pendant ce temps, lui même li à l'aise dans sa lia, li moutou li à l'aise dans situation là? Le Conseil des Nations Unies te réuni. Yo réuni dans l'idée pour capable encore une fois plancher sur le cas d'Haïti, sur le sort d'Haïti, pour capable river comprendre qu'on est ouais. Qui ça est capable de faire pour Haïti, mais pas oublier. Bob Ray, qui c'est ambassadeur Canada dans l'ONU, monsieur était venu en Haïti, monsieur était en visite. Et le Canada te voit elle-même encore. L'ONU te voit monsieur même en Haïti. Monsieur chite avec un pile monde. Et mais selon le rapport, monsieur, monsieur dit qu'il finit avec tout leader politique. Yo, li gade li wè, il n'y a pas eu lieu vraiment pour que gagne une intervention militaire. Bob Ray fait qu'on ça l'a gardé là, pour ça l'a qui là, leader politique yon ka met tête yon ensemble d'ailleurs, gon accord qui signe là, gon de tout acteur rentre là dedans. Mais, dans sens ça, violon pas tout accordé non? Parce que l'opte de André Michel, lui même, qui carré barre le kopel du lui même, faut gon intervention militaire qui fait. Vous comprenez ça? Et ou a comprenne tout, mesdames, messieurs, policiers sa yon qui lâchement assassiné, policiers sa yon qui sont assassinés là, faut ta pose des questions. Comment yon fait assassiner? Parce que l'André Michel Kopeldou, pas rien qui ka fait là. Si toutefois, pas gon intervention militaire, n'a demandé, nèg sa ou qui habitué fusée militant pareil yo, propre militant yo, nèg sa ou qui habitué assassiner moun, bay militant pareil yo ou encore, bay même moun ka bataille bon côté yo bal.
pour capable chauffer chaudière mobilisation. Ça que dit nous, c'est pas eux même qui voyait tous les policiers ça yo. Nous pas jamais connait. Parce que c'est 10 policiers qui étaient mouri là. 10 policiers qui étaient fait voile pour payer ce chapeau. Hein? Nous dans premier mois. Et pas oublier dans fin année 2022, nous tout nous t'ai quand c'était policier qui t'a tombé. Nous tout nous t'ai comment policier t'a tombé. Et est-ce que c'est pas toujours le plan d'André Michel, le plan du clan d'André Michel qui a exécuté. Personne va connaître. Eh bien mesdames messieurs, entendez encore une fois André Michel. Parce que ouais pendant André Michel ouais l'a fait plaidoyer ça lui-même. Li tire ce que faut gon intervention militaire qu'il pleuve qu'il donne. OK. Et monsieur traité moun sa ou de bandit de chimère qui pas accepté pour gon intervention militaire. Ou n'y a pas comprendre. Entendez André Michel. Nous dans une situation difficile. Mais nous condamnés pour nous avancer. Je dis à nous gagner après le 21 décembre 2022, ici, hein. Après ça, il y a un secteur vital dans le pays qui l'a donné, il y a un secteur privé qui l'a donné, qui d'ailleurs désigne aux membres de la CDA, ou bien une société civile qui l'a donné, qui désigne aux membres de la CDA, ou bien des gens dans le secteur politique là. Qui la donne ouvertement, le monde qui la donne avant en bas, le secteur politique là, désigné Madame Manuel à CTA, arrêté qui nommé à CTA publié, je dis à moi espérer que CTA installe le plus vite possible. Le Premier ministre a une responsabilité pour installer même CTO. Tout de suite après, même CTO commence le travail. Travail pour nous compléter la Cour de cassation. Pour nous monter conseil électoral là, travail pour créer conditions, le seul samedi de la communauté internationale là, pour révision constitutionnelle là, pour élection faite en Haïti, pour nous joindre un accompagnement international, parce que la police avec le gouvernement pour continuer, pas capable de casser gang. Nous avons besoin d'un support international pour nous mettre l'ordre dans le pays. C'est seulement politiciens qui ont besoin de pouvoir. Qui pas d'accord pour international là-bas nos coups de main et c'est seulement monde qui dans gang qui pas d'accord pour nous joindre un coup de main dans même communauté. Bon match CTO pour le travail population capable battre bravo pour vous. Même gens le gouvernement t'a monté CSPJ il y a monde qui pas d'accord. Le gouvernement t'a nommé Joseph Lebrun président cour de cassation il y a monde qui pas d'accord. Je dis à tout le monde, ça y est, bravo pour CSPJ. Moi, espérer avant longtemps, tout le monde va le battre bravo pour travail au conseil transition pour travail à CD. C'est ça, m'a dit. Merci en pile. Et m'a dit, papa, ici, en Kembela, ce n'est pas tout le monde dans le pays qui est dans mes dames. Ce n'est pas tout le monde qui est dans la gang. Il y a des gens qui veulent le pays ça changer. Et avant longtemps, nous avons bien pour nous virer. À travers tout le pays, pour nous parler avec la population, pour nous dire à la population que SDP ne peut jamais la gueule dans la route, nous continuons la bataille pour nous changer les conditions de la vie. Et nous allons travailler avec l'autre monde pour nous proposer une alternative très claire. Parce que la vérité, si je dis à tout partout ces gangs, capturer les gens, kidnapper les gens, c'est parce que PHTK a quitté ce pouvoir pendant 10 ans, donc gangsterisé le pays. Aujourd'hui, pour nous arriver, pour nous marcher dans tout le pays, pour nous présenter une alternative claire, pour nous montrer que nous voulons changer le pays d'Haïti. Et tout ça, nous avons fait ouvertement, nous avons assumé, nous avons transparent. Il y a des gens qui la donnent en bas, il y a des gens qui ne la donnent pas. Nous avons fait lâche, nous avons fait mettre table. Nous n'avons pas de peuple là, menti, nous n'avons pas de militants menti. Il y a des gens qui sont dans le gouvernement. Qui pas voulait dire dans gouvernement, c'est pour yon pas bailler militaire au job, pour yon pas bailler au travail, pour yon pas bailler militaire au contrat. Nous-mêmes nous assumons, si nous comprenons, nous-mêmes nous assumons, nous pas bailler peuple à mentir, nous pas bailler militaire à mentir. Si nous comprenons, nous avons cassé la veine que nous mangeons. Si nous pas gagné, nous avons pas gagné, même pas bailler au mentir. Nous en transparence, nous en vérité. Vous n'avez rien, vous ne pouvez pas retirer quoi. Nous tout à fait, nous connaissons à ça la vôtre, à toute ma chère.
Lila, mais après ça reste sur d'assaut. Maman, père, Il y a installé yo et yo gitan gen droit. Selon toute information, c'est dans ministère commerce yo pral mette moun sa yo. C'est la bureau moun sa yo pral aller, siège moun sa yo, c'est dans ministère commerce li pral aller. Ou quoi attendez? Trois membres qui composaient HTCA bureau yo, c'est dans ministère commerce yo pral aller. Ou konnen son bay bras lié. Donc yo pral un côté qui gen bras, ou comprenez moi? Conseil de sécurité des Nations Unies yo réuni et mesdames messieurs yo penché sur le cas d'Haïti. Moi il faut attendre madame Hélène Lalim, pa ka faut attendre tout moun yo toute intervention, OK? Même moi il faut attendre Hélène Lalim qui a le bail menti, qui a continuer bail menti sous do Haïti. Vous comprenez ça? Même si grand moun sans honte ça bon, m'tande yo di yo remplacer. M'tande yo di a remplacer le week-end ça, m'a konn ça fait. Mesdames messieurs, yo pou ko remplacer ti grand moun sans honte ça. On suit ensemble. Madame Hélène Lalim qui t'a fait intervention parle sous bureau Conseil sécurité Nations Unies qui t'a parlé de situation qui est là parce que c'est une réunion en urgence qui fait pour plancher sur le cas d'Haïti en suivant ensemble les interventions de Hélène Lalim qui c'est responsable BINU qui c'est bureau intégré des Nations Unies en Haïti en suivant. Civils, d'hommes politiques, d'autorités religieuses, de syndicats et le secteur privé ont signé un consensus national pour des élections transparentes et une transition inclusive. Ce consensus a fixé un calendrier qui doit permettre d'installer un gouvernement élu au pouvoir d'ici février 2024. Il figure également une liste de mesures immédiates pouvant être prises pour promouvoir des réformes budgétaires qui permettront de rétablir la collecte des revenus par l'État, rétablir les services publics. Un conseil de transition a également été mis en place. Celui-ci travaillera avec le gouvernement pour nommer les juges à la Cour de cassation, qui est le tribunal pour incident le plus élevé, le tribunal suprême si vous le voulez, un conseil électoral ou une commission électorale provisoire, et pour nommer également un comité qui sera chargé d'examiner la Constitution. Cet accord n'est pas pour autant une panacée. Beaucoup reste à faire, une série de tables rondes, y compris des débats sur la mise en place d'un calendrier électoral, élaboration d'un plan de sécurité nationale, sont autant d'occasions pour ceux qui sont intéressés mais qui ne se sont pas encore mobilisés à participer à cet effort. L'accord, dont le nombre de soutiens ne cesse de croître chaque jour, est en effet le signe le plus prometteur
ressortant des efforts qui ont été déployés pour reprendre le dialogue jusqu'à présent. Les réactions positives de dirigeants politiques et des partenaires internationaux ont été positives. Mais la mise en œuvre de celui-ci sera fondamentale si nous voulons rétablir la confiance dans cet accord. Le pays a urgentement besoin de voir ceux qui occupent des positions de pouvoir au niveau national, au niveau local et même à l'étranger, la diaspora, a besoin que ceux-ci mettent de côté leurs différences et fassent de leur mieux pour rétablir des institutions étatiques légitimes. Monsieur le Président, la police nationale haïtienne continue d'être une priorité pour le gouvernement. Nous observons ainsi une augmentation de près de 50% dans l'enveloppe budgétaire mise à disposition de celle-ci pour cette année. Celle-ci atteint 162 millions de dollars. La 32e promotion de cadets a pris ses fonctions le mois dernier. 714 agents de police supplémentaires, y compris 174 femmes. Je remercie les partenaires qui continuent de travailler au service du panier de financement qui soutient la police nationale haïtienne. La police utilise maintenant les véhicules BND qu'ils ont tachés, qui continuent d'arriver à Haïti pour organiser des opérations contre les bandes armées. Certaines fonctionnent ou ont engrangé plus de succès que d'autres, mais la difficulté reste justement de consolider les gains obtenus après ces opérations. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, comme le fait remarquer le secrétaire général dans son rapport, et j'ai fait référence un petit peu plus tôt, le consensus national et les sanctions sont deux évolutions importantes qui peuvent contribuer de manière significative à surmonter cette crise et qui peuvent permettre d'atténuer une souffrance sans nom. Elles permettent de tracer un sentier clair devant mener Haïti vers le rétablissement de la démocratie et de la légitimité. Le troisième élément qui renforcera la police nationale haïtienne et ses évolutions dont je vous ai parlé est le déploiement d'une force internationale spécialisée qu'a demandé le gouvernement en octobre, ce qui n'est pas encore une réalité. La réalité est que sans ce déploiement international qui se ferait en collaboration avec la police nationale haïtienne, les effets très positifs du processus politique et des sanctions jusqu'à présent demeureront fragiles et vulnérables, risqueront d'être balayés. Les Haïtiens ont désespérément besoin de son assistance de manière à ce qu'ils puissent reprendre, vivre leur vie dans la paix. La population vit dans la peur et elle est bien consciente des limitations des forces de police. Et à l'occasion de le mois du souvenir, le peuple de Haïti, dont la souffrance n'a pas de fin, compte sur vous. Je vous remercie. Je remercie Madame Lalime pour sa déclaration. Now give the floor to those... Et je donne maintenant la parole aux membres du Conseil désirant faire une déclaration. Et je donne la parole aux représentants des États-Unis. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général. Merci, Madame Lalime, pour votre intervention. Les États-Unis continuent de travailler pour répondre à la crise humanitaire auquel est confrontée et insécuritaire auquel est confrontée Haïti, et pour soutenir les efforts qui pourraient mener à la tenue d'élections libres. Nous voudrions également remercier l'Équateur qui a accepté d'être coordonnateur du dossier haïtien à nos côtés. Nous espérons travailler avec eux, avec le reste du Conseil de sécurité pour faire face à la situation actuelle en Haïti. Nous nous félicitons du fait qu'un grand nombre d'acteurs du secteur public, privé, de la société civile ont été en mesure de se retrouver et sont tombés d'accord sur les mesures qui peuvent être prises pour que justement Haïti puisse aller vers des élections justes et libres. L'adoption de l'accord du 21 décembre est une occasion pour les Haïtiens de rétablir la stabilité du pays et de renforcer la gouvernance. Il est vital que l'accord politique et sa mise en œuvre soit un processus inclusif. Et nous nous félicitons du rôle que le secteur privé et la société civile ont joué pour réunir ces parties et adopter cet accord. En outre, pour faciliter
pour faciliter les exigences ou le respect des exigences de cet accord politique, Haïti doit relever le défi sécuritaire auquel elle est confrontée. La violence liée aux gangs, aux bandes, a atteint un niveau sans précédent, ce qui n'a fait qu'exacerber la situation humanitaire actuelle et a miné les capacités du gouvernement à faire face à l'épidémie de choléra qui a touché de manière disproportionnée les jeunes et les enfants. Des jeunes et des enfants qui continuent d'être recrutés par les bandes criminelles. Nous continuons d'observer des violations des droits de l'homme, étant donné que ces mêmes bandes qui utilisent la violence sexiste, sexuelle, y compris le viol, pour semer la terreur et accroître leur contrôle des territoires. La communauté internationale, quant à elle, doit accroître ses efforts pour répondre aux besoins humanitaires et aider Haïti à faire face au phénomène de l'insécurité, de manière à ce que justement des progrès puissent être réalisés pour mettre en œuvre l'accord politique de décembre. Nous saluons les efforts de la police nationale haïtienne qui a justement donc réussi à libérer le terminal de Véreux, donc terminal donc où se trouvait terminal pétrolier, où se trouvait beaucoup de carburant qui a eu une incidence sur justement le fonctionnement des hôpitaux, sur la fourniture d'une assistance humanitaire. Nous nous félicitons de la mise en place d'un régime de sanctions par le Conseil de sécurité qui empêche justement ceux qui contribuent au financement de l'instabilité. Et nous avons demandé, nous avons encouragé les acteurs à proposer l'inscription de noms sur cette liste. Nous continuons de soutenir les réformes institutionnelles, d'œuvrer à l'apaisement de la situation humanitaire et sécuritaire. Les États-Unis s'efforcent de traiter des causes profondes de l'instabilité en mettant l'accent sur la réforme du secteur de la justice, en mobilisant les possibilités économiques. Nous encourageons également les partenaires à contribuer au panier de financement des Nations Unies, étant donné la nécessité de remédier à la situation à Haïti. Le moment est venu de changer les choses pour ce qui est de la situation sécuritaire. En effet, s'il n'y a pas de progrès sur le front sécuritaire, les progrès sur tous les autres fronts, humanitaires, économiques, ne seront impossibles. Nous encourageons donc la communauté internationale à continuer de mettre l'accent sur le soutien apporté aux efforts de Haïti, pour qu'elle puisse répondre à ses besoins. Je vous remercie. Je remercie le représentant des États-Unis pour sa déclaration. Je mets maintenant la parole au représentant de la Chine. Monsieur le Président, je voudrais commencer par exprimer mes plus sincères condoléances suite au décès tragique du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Moussa. Le ministre des Affaires étrangères du Gabon a, au cours de sa vie, défendu la paix et la sécurité en Afrique. Et il a contribué de manière significative au maintien de la paix et de la sécurité à l'international. Son décès est une perte tragique pour le peuple du Gabon. Mes plus sincères condoléances vont à l'ambassadeur Biang et à nos frères et sœurs de la mission permanente du Gabon. Le représentant spécial du secrétaire général, Madame Lalim, vient de nous informer de l'évolution de la situation en Haïti. Je l'en remercie. Je salue la présence parmi nous du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine et des représentants permanents de Haïti et du Canada à l'occasion de cette réunion. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, la situation en Haïti ne s'est pas améliorée. Il y a un vide au niveau du pouvoir. Il y a une violence des bandes armées, des bandes criminelles qui a une incidence sur la population civile. Le président et le mandat du président du Sénat, des 10 derniers sénateurs sont arrivés à terme ces deux dernières semaines. Cela veut dire donc que les institutions haïtiennes sont non plus de représentants élus. La crise de légitimité institutionnelle est donc profonde. Les partis haïtiens, les factions haïtiennes doivent répondre à l'appel de la population et revenir à un ordre constitutionnel et prendre leurs responsabilités et ainsi faire avancer le processus de transition et ce le plus vite possible. Le mois dernier, les autorités intérimaires
sont arrivés à un consensus pour une transition inclusive et des élections transparentes, avec certains partis, certains groupes de la société civile, afin de restaurer en 18 mois des institutions démocratiques élues. C'est un pas dans la bonne direction, cependant nous sommes encore loin des attentes du peuple haïtien et des partis concernés. Nous remarquons que certains groupes de la société civile, y compris le groupe de Montana, se sont prononcés à l'encontre de ce document. Les partis Haïti devraient donc continuer de dialoguer de manière inclusive, renforcer le sentiment d'urgence au sein des consultations politiques, convenir d'un régime de transition crédible et faisable, de manière à pouvoir organiser des organisations libres et justes le plus vite possible. Le BINU devrait être une plateforme de dialogue pour toutes les parties, pour toutes les factions haïtiennes, et devrait respecter les choix du peuple haïtien et accroître les efforts de promotion d'un processus politique dirigé et contrôlé par les Haïtiens. Monsieur le Président, le dernier rapport du secrétaire général fait remarquer que les activités criminelles violentes des bandes criminelles se sont intensifiées. Plus de 2000 personnes ont été tuées l'année dernière, une augmentation de plus de 30% par rapport à l'année précédente. Les Haïtiens se félicitent en général des sanctions qui ont été imposées aux gangs haïtiens, à leur soutien, et espèrent que ce régime de sanctions sera efficace et permettra de juguler l'activité de ces bandes. Certains nourrissent également l'espoir que ces sanctions seraient imposées à davantage de gangsters qui minent la paix et la stabilité à Haïti. La Chine, à l'instar de beaucoup d'autres membres du Conseil de sécurité, soutient les activités du comité de sanctions. Nous voulons que celui-ci puisse être opérationnel le plus vite possible et examine de toute urgence la liste de sanctions et garantit et surveille la mise en œuvre de ces mesures pour justement dissuader les gangs de commettre davantage de violence. Ceci devrait être l'une des priorités des travaux du Conseil de sécurité. La Chine reconnaît et salue les efforts déployés par la police nationale haïtienne, qui s'efforce de maintenir l'ordre et qui soutient les efforts déployés par Haïti pour lutter contre les armes illicites, contre les flux financiers illicites, pour juger les auteurs donc des violations et des infractions. Nous continuons en ce qui nous concerne de soutenir la police nationale haïtienne. Les pays devraient prendre en considération, avant de détacher une force sur le terrain, devront prendre en considération l'avis des acteurs sur le terrain et devraient prendre en considération l'évolution historique qui a marqué justement les activités d'ingérence et d'intervention étrangère. L'année dernière a été marquée par une épidémie de choléra, par une récession économique, une pauvreté accrue, une insécurité alimentaire également accrue, la multiplication des activités criminelles, avec une vulnérabilité particulièrement marquée pour les femmes et les enfants. Certains pays ont adopté des mesures de déportation pour les immigrants ou les immigrants haïtiens. Le HCDH s'est inquiété de ces mesures qui pourraient miner les bases du droit international des réfugiés. Nous pensons que les droits humains et la dignité des immigrants haïtiens devraient être protégés et qu'aucun pays ne devrait déporter des migrants. La Chine appuie les Nations Unies et les partenaires régionaux pour que les ressources allant vers Haïti puissent être accrues et que la situation humanitaire puisse être améliorée sur le terrain pour surmonter les difficultés économiques. De concert avec la communauté internationale, nous nous efforcerons de continuer à jouer un rôle constructif pour aider le peuple haïtien à revenir à la paix et à la stabilité. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine pour sa déclaration. Je mets maintenant la parole au représentant des Émirats Arabes Unis. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances au gouvernement et au peuple du Gabon et à nos collègues de la mission permanente du Gabon.
suite au décès du ministre des Affaires étrangères, Moussa Adamo. Je voudrais maintenant remercier la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Lamine, pour son exposé circonstancié, pour les efforts qu'elle déploie à Haïti. Nous saluons aussi la présence parmi nous de Haïti, de la République dominicaine et du Canada. Dans le cadre des débats d'aujourd'hui, je voudrais revenir sur quatre points qui sont particulièrement pertinents pour le chemin que mène Haïti vers la stabilité et la prospérité. Tout d'abord, nous sommes particulièrement encouragés par certains des progrès obtenus sur le front politique, par la signature d'abord de l'accord du 21 décembre. Nous espérons que cet accord permettra de renforcer le dialogue politique, un dialogue politique qui continue d'être fondamental pour arriver à une vision d'ensemble des acteurs politiques haïtiens de l'évolution de la situation. Ceci permettra de contribuer également à renforcer, à améliorer la situation sécuritaire, humanitaire, économique et garantir sur le long terme la stabilité de Haïti. Nous tenons donc à réitérer les appels que nous avons déjà lancés à tous les acteurs. Nous leur demandons de mettre de côté leurs différences et de dialoguer de manière inclusive et constructive afin de créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections dignes de ce nom. Deuxièmement, la violence, cela ne fait aucun doute, demeurera en Haïti tant que les institutions judiciaires, les services de détection et de répression, les institutions sécuritaires ne sont pas à même de répondre à l'augmentation spectaculaire de la violence au niveau national. À cet égard, nous saluons les efforts déployés par la police nationale haïtienne sur lesquels nous devons construire, notamment en réponse au niveau alarmant et persistant de violences sexistes et sexuelles. Traiter de la situation sécuritaire de manière holistique suppose également de lutter contre la corruption et de lutter contre le trafic et la prolifération des armes illicites et des flux financiers illicites. Nous nous félicitons des efforts déployés par l'ONUDC qui travaille de concert avec les autorités haïtiennes afin de renforcer leur capacité pour faire face aux armes illicites, aux flux financiers. Nous saluons également le rôle et la participation des acteurs régionaux en la matière. Ensuite, troisièmement, nous sommes profondément inquiets étant donné la détérioration de la crise humanitaire en Haïti. Celle-ci doit figurer au rang des priorités du Conseil. Le peuple haïtien est confronté à une insécurité alimentaire, hydrique, à des niveaux sans précédent de pauvreté. Le pays continue d'être vulnérable, notamment vis-à-vis des conséquences des changements climatiques. Ces crises ont été... Nous tous nous connaissons Tigre Mounsa lui-même. Depuis, c'est dans ça qui vient avec Haïti. Depuis qu'il est allé dans l'ONU, nous tous nous connaissons quand il est menti l'habitué baï. Mais l'Istil toujours été en poste et il toujours une bénédiction Nations Unies. Yo dit yo remplace le déjà, mais jusqu'à présent n'a pas cherché nouveau gojou remplaçant. Yo te dit nous c'est un Sénégalais qui c'est Samba, papa Samba, on baille comme ça. OK? Eh ben n'a tonne mesdames messieurs qui ça peut le dire, qui ça peut le faire. Mais bon brété qui t'a dit nous pas doit espérer grande chose. Puis là nous youn maintenant tête nous pour aller grande chose qui pour le décider dans ça qui gagne là mesdames messieurs. Baba tout le monde n'a pas campé là, m'étais content ensemble avec vous, m'étais content partager mon son information ensemble avec vous Chanel la CIT réflexion amis qui avec vous c'est Drasfis aimé. Toujours été connecté ensemble avec nous, restez branché IT réflexion pour qu'à toujours rester connecté à tout ça qui a passé. Baba tout le monde, n'a pas croisé prochainement pour une autre vidéo.